Goedenavond, mijn naam is Pierre Carret. Pierre Carret was de voorman van de beruchte CCC, de Cellule Communiste Combattante. 20 jaar na de feiten is hij weer vrij en wil hij de strijd voortzetten. Welkom bij Nachtwacht. Precies 20 jaar geleden begon de CCC haar strijd tegen het kapitalistische systeem. Een jaar later ontplofte de eerste bom. Pas na 14 maanden en meer dan 20 aanslagen werden Pierre Carret en zijn kompanen aangehouden en veroordeeld tot levenslang. Deze zomer werd hij als laatste van de groep vervroegd vrijgelaten. Bienvenue, monsieur Carret. Vous avez passé près de 18 ans en prison, mais cela n'a pas changé vos idées. Nee. Maar eerst, ik wil u bedanken voor het feit dat we in het Nederlands nu kunnen spreken. Mijn kennis van het Nederlands is te slecht om een goede discussie in het Nederlands te houden. Dus bedankt voor het volontiers. Alors voilà, il y a 20 ans, oui, je voudrais aussi dire, il y a 20 ans, j'étais militant d'une organisation, je suis ici seul pour parler, mais il était, enfin, personnellement, j'aurais évidemment préféré pouvoir être accompagné de camarades. Nous avons mené une lutte collectivement, une lutte d'organisation politique. J'aurais préféré, mais c'est le schéma de votre émission ainsi, que nous puissions venir à plusieurs, mais je serai seul pour parler. Donc oui, il y a une 20aine d'années, j'étais militant dans une organisation révolutionnaire qui s'appelait les Cellules Communistes Combattantes. Et les opinions générales qui étaient les miennes à cette époque n'ont pas changé. Mm-hmm. Mais pourquoi devrait-elle changer ? Parce que la société n'a pas changé non plus ? Mais le communisme est une vision du monde. C'est une réflexion générale sur l'histoire, sur le rôle des classes sociales. C'est la défense d'un intérêt particulier qui est celui du prolétariat. Le communisme, c'est les conditions de libération du prolétariat. C'est une lutte qui a commencé avec l'apparition du prolétariat il y a un siècle et demi et qui ira jusqu'à la révolution communiste. D'accord. Vous aviez 30 ans quand vous avez choisi pour une lutte armée contre le système. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision, prendre ce pas ? Alors, c'est avant tout la question politique, la réflexion politique. Comme de nombreux jeunes militants, mes premières expériences ont eu lieu dans le cadre réformiste, légaliste. J'ai participé à des luttes contre les agressions impérialistes dans les pays du tiers-monde. J'ai participé à des luttes de solidarité avec les luttes ouvrières. Et voilà. Et puis, petit à petit, amené à réfléchir, à préciser la réflexion politique, je me suis dit, comme beaucoup d'autres militants, mais cette lutte dans ses limites, le réformisme, le légalisme, tout ça ne mène nulle part. Si on a vraiment l'intention, si on a vraiment la volonté de travailler et d'œuvrer pour une révolution, il faut étudier l'histoire, il faut étudier les lois de l'histoire, il faut étudier les expériences passées, et sur cette base-là, faire des choix, progresser. Et alors, à partir de donc, toute cette réflexion et à partir de toute cette analyse de la réalité concrète du monde, de la réalité concrète de la situation dans notre pays, eh bien, au début des années 80, des forces militantes révolutionnaires existaient, se sont regroupées et les cellules communistes combattantes sont apparues. Mmh. Le but déclaré de vos actions était de prouver aux masses qu'une action révolutionnaire était possible. Qu'est-ce qui vous faisait croire qu'elle vous écouterait ? Mais ce qui convainc les communistes de leur victoire inévitable, c'est le simple fait qu'ils défendent les intérêts de la société, qu'ils défendent les intérêts du prolétariat. C'est une analyse historique. Nous sommes convaincus que le capitalisme est un système économique qui génère aussi une superstructure politique. Mais enfin, c'est un système général qui, dans l'histoire, a eu un rôle, qui, comme les systèmes qui l'ont précédé, est appelé à disparaître et est appelé à être remplacé par le capitalisme. Mmh. Donc, ça, c'est l'analyse générale du marxisme, évidemment. D'accord. Nous sommes convaincus que, inévitablement, le capitalisme doit disparaître. Le choix pour une lutte armée, c'est aussi, dans une sorte, le choix pour une vie en clandestinité. Non, ce ne sont, c'était pas... absolument pas. Les choix stratégiques
et les choix politiques. La pratique révolutionnaire n'est pas la décision personnelle des révolutionnaires. Ce sont des choix qui sont faits en fonction de la réalité même. Ce sont les conditions de notre société qui dictent les pratiques révolutionnaires. D'accord. Les révolutionnaires ne font pas ce qu'ils veulent. Mais au plan personnel, du moment qu'on fait le choix pour une lutte armée, on se met dans quelque sorte hors du système, on sait qu'on sera chassé. Comment se déroulait votre vie dès le premier attentat? Est-ce que vous allez toujours au marché, au cinéma on vivait caché? Ça se faisait comment? Oui, d'abord, il faut dire une des choses. C'est que les communistes ne choisissent pas la clandestinité par envie. La clandestinité s'impose parce que, en effet, il y a une répression. Il faut prendre des mesures d'autodéfense afin de poursuivre l'activité qu'on estime nécessaire. Mmh. Et la clandestinité s'impose à des moments donnés. Dans mon cas, étant déjà un très vieux militant, déjà tout à fait connu des services de police, il est bien évident qu'à partir du moment où je commence à développer une activité illégal, je dois prendre des mesures de sécurité et je rentre dans la clandestinité. Bon, comment vit-on dans la clandestinité? Je vais dire, mis à part le sérieux des responsabilités qu'on a pris, on sait ce qu'on a engagé. Voilà. Donc, ce n'est pas une existence que l'on prend à la légère. On tâche. Est-ce que vous avez un sentiment comme ça paranoïaque? Est-ce que vous aviez sentiment que vous, vous suivez? Non, certainement pas. Si j'étais, le jour où j'étais suivi, j'étais arrêté. On vit dans la clandestinité comme on vit dans une vie normale. Simplement, on est très sérieux, on est très attentif, on applique les mesures de sécurité et on fait son travail politique. Maintenant, je dirais, la vie dans la clandestinité est une vie comme les autres. On va au café, au cinéma, on va au café, on va au cinéma. Et d'ailleurs, c'est, peut-être parfois, on y fait main de très mauvaises rencontres. Je vais vous raconter une petite anecdote. La dernière structure clandestine dans laquelle j'ai été abrité était à Liège. Et je vais un jour marcher. En revenant du marché, je m'arrête dans un café pour lire mon journal. Et je suis dans la salle du café, je lis ma gazette. Et tout d'un coup, je remarque qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je me demande si je n'ai pas été reconnu, si je suis un peu inquiet, je fais attention. Enfin, bon, tout ça se passe très vite. Puis je suis amené à me retourner, parce que je comprends quelque chose qui se passe derrière moi, toute l'attention des gens dans le café, regarde, voilà. Je me retourne, il y a une baie vitrée, et derrière la baie vitrée, alors peut-être 1m50, à la table de terrasse, il y a le ministre de la Justice, qui est en train de faire sa propagande électorale, de bistrot évidemment, c'était Jean Gaulle à l'époque, voilà. Je me suis levé, j'ai mis mon argent sur la table, je suis parti assez précipitamment, et tellement précipitamment que j'ai entendu, au moment où je quittais la porte, la réflexion de quelqu'un qui disait, peut-être pas très conscient de la justesse de sa réflexion, « Eh bien, voilà un qui n'aime pas les libéraux !» il avait bien raison. Donc nous sommes, voilà, il avait tout à fait raison. Donc voilà, pour vous dire aussi, dans la vie clandestine, il y a parfois des situations vraiment très, très amusantes et très cocasses. Voilà. Vous avez commis plus de 20 attentats sans être arrêté. Comment avez-vous sélectionné les cibles? Est-ce qu'il y avait une sorte de liste, un ordre particulier? Non. Encore une fois, le politique est essentiel en toute chose dans la lutte révolutionnaire. Quand les cellules communistes combattantes décident d'avoir une pratique politico-militaire, cette pratique est liée à des objectifs politiques. C'est toujours, enfin, notre formule est de dire, c'est le parti qui commande au fusil, c'est la politique qui commande au fusil. On ne fait pas de liste d'attentats. Les attentats sont au service d'une politique. Il s'agit, par l'exercice de la violence révolutionnaire, de crédibiliser les idées de la révolution. D'accord, mais ça, c'est un plan général. Mais voilà. Alors, principalement, donc la première campagne, qui est la campagne anti-impérialiste d'octobre, qui date de 84. À ce moment-là, dans le pays, se pose une question très très importante, qui a un grand retentissement, qui est la question de l'implantation des missiles américains à Florennes. Il y a à ce moment-là une très forte opposition aux missiles. Il y a des manifestations qui sont les plus grandes manifestations de l'après-guerre, plus de 400 000 manifestants à Bruxelles. 80% de la population interrogée se déclare opposée à l'implantation des missiles. Le Parlement va voter l'implantation des missiles, et scandale supérieur, le jour où le Parlement votera les missiles, on se rendra compte que les Américains les avaient déjà amenés. Donc voilà, ça nous donne une idée de ce que c'est la démocratie et comment ça fonctionne. Alors on voit 400 000 personnes qui manifestent en disant leur opposition.
le Parlement n'en a rien à faire, le gouvernement n'en a rien à faire, les Américains, disons-le clairement, nous emmerdent, ils sont en terrain conquis et on installe les missiles. Bon. Donc à ce moment-là, les cellules disent qu'il faut lier cette question des préparatifs de guerre à la question du capitalisme et il faut viser concrètement, dans le cadre d'une campagne de propagande armée, les objectifs économiques qui sont les firmes, les structures économiques qui tirent profit de l'organisation de la guerre. Les responsables politiques dans le pays, à l'époque, c'était les libéraux et les socio-chrétiens, et l'OTAN. Ce sont les trois grands axes de la première campagne. Et puis, sur cette base-là, des enquêtes sont faites, des recherches sont effectuées, et un certain nombre d'objectifs apparaissent comme à la fois justes, à la fois accessibles, et à la fois parlant directement aux gens qui on veut s'adresser. Monsieur Carat, j'ai aussi invité votre ennemi. Hij was eerste minister en regeerde met volmachten in volle crisistijd toen de CCC haar aanslagen pleegde. Zijn naam is Wilfried Martens. Welkom, meneer Martens. Ik stel voor dat we doorgaan in het Frans. Ik ben u heel goed bezig. Als u daar geen probleem mee heeft. Non, parce que même dans une démocratie à la belge, je crois que c'est une question en quelque sorte de gentillesse et même de supériorité de pouvoir parler dans plusieurs langues, dans nos langues. Et donc, pour cette raison, je vais donc me livrer à cette confrontation. Il ne s'agit pas d'un débat ou d'une discussion, c'est une confrontation avec M. Carret en sa langue. Pouvez-vous comprendre la conviction absolue d'un Pierre Carret? Je peux nullement comprendre la violence. Mais la conviction? Non. Force de la démocratie, comme dans notre pays, est aussi que nous avons toujours accepté la libre expression des opinions, aussi des opinions extrêmes, de gauche ou de droite, à la condition de respecter la loi, et ça c'est très concret, de respecter la vie et la dignité de chaque personne humaine. Oui, mais il est vrai que les cellules n'ont jamais attaqué volontairement des personnes. Ils visaient des institutions, et bon, il y a des victimes. Non, mais ils ont utilisé la violence avec le risque évident qu'il y aurait aussi des victimes humaines. Ça, c'est tout à fait clair qu'ils ont pris ce risque. Et donc, cet élément, je ne peux pas l'accepter. La base même de mon engagement politique, c'est que chaque personne humaine, on doit respecter la vie et aussi les opinions. J'ai accepté d'ailleurs de participer à cette confrontation par la conviction que les autorités qui ont décidé la libération conditionnelle de M. Carret ont eu des garanties qu'il va respecter la loi. Et ça, c'est la condition pour moi. Donc, j'ai cette conviction. Vous avez promis ça ou dû promettre? Je n'ai pris aucune... Mais évidemment, les autorités qui ont décidé de cette libération conditionnelle, pour moi, ont pris l'engagement qu'il y a des garanties qu'il n'y a plus de risque de violence. Mm-hmm. Troisièmement, j'ai accepté cette confrontation parce qu'il y a aussi d'autres voies d'engagement politique pour réformer nos institutions, pour assurer le bien-être de la population. Monsieur Carret parle de la dictature du prolétariat, de la lutte des classes. Il y a aussi, et j'ai été inspiré par d'autres mouvements, il y a Rerum Novarum, l'enseignement social de l'Église catholique. Oui, ça, vous vous moquez de ça. Il y a aussi l'Union européenne, l'Europe sociale, il y a l'économie sociale de marché. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Je voudrais vous dire que c'est la troisième raison pour laquelle il y a d'autres voies pour réaliser des réformes que des opinions extrêmes que je peux accepter en théorie, mais je ne peux pas accepter la violence. La violence qui implique des victimes, il y a deux pompiers qui sont morts lors d'un attentat
contre la FEB. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'il y avait des morts. La question, c'est qu'évidemment, pour chaque militant de l'organisation, c'était un choc terrible. C'était quelque chose qui nous heurtait, dans le sens que c'était quelque chose qui allait totalement à l'encontre de nos objectifs, de notre volonté, de nos choix. La question est, on ne va pas recommencer ici, ce ne serait pas l'occasion de distribuer les responsabilités. On sait très bien comme la responsabilité totale de la gendarmerie dans le drame, mais ça c'est une autre chose. Donc nous ne voulions pas ces morts, c'est un accident et c'est irréparable. Voilà, est-ce que vous avez jamais eu contact jamais avec les familles ou les collègues? Cela m'était interdit par le ministère de la Justice. La question est que s'il y a des victimes dans l'affrontement de classe, c'est pour nous, de notre point de vue, dans la seule logique de mettre un terme à l'effroyable liste de victimes de l'impérialisme et du capitalisme. Il n'est pas question de faire des réformes. Nous ne nous battons pas pour des réformes. Nous nous battons pour une révolution. Une révolution, ça veut dire la prise du pouvoir d'État et vous parlez de la construction du socialisme. Vous parlez de quelles victimes alors? Mais les 14 millions d'enfants qui meurent de faim chaque année dans le monde, les dizaines de millions ou les centaines de millions d'habitants de la planète qui vivent dans les dénuements le plus complet, la pauvreté et la crise qui se développe en Europe, la crise du capitalisme qui perdure, qui fait dans notre pays un chômage structurel, endémique, qu'on ne réussit pas à résorber, des conditions de vie qui se dégradent, un avenir qui est bouché. Voilà la réalité de nos sociétés. Donc, c'est, dans un certain sens, c'est un petit prix qu'on paye pour un bien qui va venir. Mais encore une fois, c'est l'histoire qui donne les conditions de la lutte des classes. Bon, alors, si la bourgeoisie veut prendre faire ses valises et disparaître de l'histoire, je suis le premier à applaudir et à dire, mais ce serait parfait comme ça. La question que la bourgeoisie est armée jusqu'aux dents, son État est armé jusqu'aux dents, et que chaque fois que se pose la question d'une lutte de classe qui la met en danger, eh bien, c'est le bain de sang. Ça, c'est l'histoire qui nous l'apprend. En face de nous, nous avons des terroristes. C'est bien vrai. Mais vous êtes le terroriste, M. Carette. Vous êtes le terroriste. Mais on ne peut pas nier... laissons cette question au milieu, mais on ne peut pas nier que c'est vrai qu'au plan mondial, une classe riche qui exploite dans le tiers-monde, on peut le voir chaque jour, ne va jamais volontairement donner ce qu'ils ont aux pauvres. C'est, on le prend dans un certain sens, d'une manière où rien ne se passe. Parlons des faits d'abord. Monsieur Carette parle toujours du communisme. Le communisme, c'est défait. Il n'existe plus, le système communiste. On en parle... Non, je dois le dire parce qu'il parle comme il y avait toujours un système communiste ou une idéologie communiste qui est en train de se réaliser. Ce système communiste ne s'est jamais réellement intéressé pour le tiers-monde. En Europe, même aux États-Unis, on a fait beaucoup plus d'efforts dans la coopération nord-sud que l'Union soviétique. Donc, il ne reste ni principe, ni institution, ni code, ni une histoire du système communiste. Et donc, M. Carette parle toujours de ce système. Deuxièmement, moi je fais en effet la distinction entre, par exemple, notre continent et notre Union européenne, où nous avons, après deux guerres mondiales, fait la paix, et nous allons réaliser une coopération et un progrès sur le plan économique et social, mais qui a aussi l'obligation d'intervenir dans le monde, et plus spécialement pour le tiers-monde. Et donc ça, c'est la différence. Monsieur Carette parle, quand il parle aussi de lutte armée, comme il le faisait il y a 15 ans, ou plus que 15 ans, mais ce système, cette idéologie n'existe plus, et il y a eu, mais certainement en Europe, un progrès énorme. Je suis la preuve de ça. Mes parents étaient... Là, on en va... Oui. Excusez-moi, on en va parler Toute plus ta génération est la preuve de tout cela. Je veux d'abord... Vous prétendez tous les deux représenter les gens ordinaires. Parlons d'abord d'eux.
voelt de Belgische arbeider zich deze dagen eigenlijk nog wel onderdrukt? Peter van de Veire schetst een portret van de proletariër anno 2003. Kameraad Jan, welkom in de arbeiderswijk van de jaren nul, waar het proletariaat minder principes heeft dan een West-Vlaamse textielbaron. Jos bijvoorbeeld werkt aan de band in een grote fabriek. Een moderne rode rakker met een eigen huis, net als 70% van de andere Belgen. En dan blijft er nog genoeg geld over voor hun eigen auto, want in ons land rijden 5 miljoen personenwagens rond. En Jos wil nog meer. Voor hem heet het nieuwe rode boekje De Financieel-Economische Tijd en is zijn grote leider Paul Doren. Meer dan een kwart van de Belgische gezinnen heeft aandelen en zit op de beurs, al kan dat wel eens tegenvallen. Bijvoorbeeld voor de tienduizenden gewone Belgen die hadden belegd in Lernout en Housby. De echte revolutie beleeft Jos in de sofa. Net als de gemiddelde Vlaming kijkt hij 2 uur per dag televisie. Waar zijn paarse kameraden Guy en Steve hem elke avond vertellen hoe geweldig het wel gaat met hem. De macht van de straat hoeft voor Jos dan ook niet zo hard. En zo heeft amper een derde van onze landgenoten nog vertrouwen in de vakbonden. Proletariërs aller landen, verenigt u. Maar kom vooral niet te veel zagen aan Jos' oren. Want die houdt het amper vol met zijn buurman, laat staan met de rest. In een recente Europese enquête noemt 55% van de Belgen zich tamelijk tot zelfs zeer racistisch. Jos wil met rust gelaten worden. Hij heeft dan ook geen enkel probleem met ons repressieapparaat. Integendeel, hoe meer blauw op straat, hoe beter Jos zich voelt. 54% van de Vlamingen wil trouwens meer politiebewaking. Je ziet het, Jan, de nieuwe rode man is een kapitalist, houdt vooral van zichzelf en is een dikke racist. Ik zie maar 1 oplossing. Bel de CCC. Monsieur Carrette, les prolétaires chez nous ne s'intéressent plus à votre révolution. D'abord, ce n'est pas la mienne, c'est la leur ou c'est la nôtre. C'est la révolution du prolétariat. Je trouve quand même qu'il y a un ton un peu méprisant dans ce reportage. Je suis d'accord que c'est une caricature, mais bon, ça me déplaît quand même un peu. Une autre chose, c'est qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est ça qui est un peu dangereux dans ce genre de choses. On aurait pu faire un reportage qui arrive à une conclusion tout à fait contraire en parlant du surendettement des ménages, en parlant de la dégradation de l'habitat, en parlant des problèmes de pollution, en parlant du chômage et voilà, donc je me méfie très fort de ce genre d'image. On parle de la perception des... Oui, mais même, ça me paraît de la sociologie très douteuse. Mais enfin, bon, il est exact que nous vivons aujourd'hui dans une réalité, aujourd'hui au début du XXIe siècle, où en effet, le prolétariat dans son ensemble est très démobilisé, très dépolitisé. Bon. C'est une période comme cela. La question est que les révolutions n'ont pas lieu uniquement n'ont pas lieu uniquement du fait subjectif ou de l'état d'esprit des masses à un moment donné. Elles ont lieu aussi du fait de la crise économique, du fait de l'aggravation des contradictions de l'économie, etc. Ça, par contre, ça ne change pas. Donc là, les contradictions sont de plus en plus graves, le capitalisme s'enfonce dans la crise, l'impérialisme est plus criminel que jamais, les écarts entre les pays riches et les pays pauvres se creusent, venir parler de coopération et de projet alors que la situation du tiers-monde s'effondre, et c'est permanent depuis la fin de la guerre mondiale. Le mode de vie de l'ouvrier belge a quand même beaucoup amélioré. Et c'est amélioré d'abord du fait de la lutte des classes, parce que le patronat n'a jamais rien donné, c'est la lutte des ouvriers qui a amener des transformations sociales. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que si en effet le prolétariat a reçu quelques miettes de sa propre production pour améliorer ses conditions d'existence, les salaires ont doublé, mais les revenus du capital ont décuplé entre-temps. Donc, comme on dit, les pauvres plus pauvres, les riches plus riches. Ça, c'est la réalité. Vous avez dit que vous êtes vous-même l'exemple de cette émancipation. De la politique d'austérité. Oui. Oui, d'ailleurs, petite remarque, votre observation tout à l'heure, que vous avez organisé votre action parce qu'on a implanté les missiles, vous avez commencé, M. Carrette, le 2 octobre 1984, et les missiles ont été implantés le 31 mars 1985. Preuve de la justesse de nos analyses. Non, donc ce n'est pas exact que vous avez commencé votre C'était action pour cette raison. C'était une organisation prophétique. Non, mais je veux donc insister sur 2 points. Je crois en effet que même les travailleurs
qui font le travail le plus dur dans notre société, n'acceptent pas cette dictature du prolétariat, la lutte des classes, parce que M. Carette et son mouvement ont démontré qu'une chose qui est encore plus essentielle est en danger, c'est leur vie, et c'est leur respect sur leur dignité. Et donc, cette réaction de tout être humain, ça, vous ne pourrez jamais changer. Deuxièmement, devant le tableau que vous avez esquissé, il y a beaucoup d'autres éléments positifs. Il y a non seulement le doublement des salaires, il y a la démocratisation de l'enseignement. Toute ma génération a eu, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, cette possibilité. Il y a la sécurité sociale. Il y a toute une série de possibilités. Et en effet, ce que nous avons vu est en quelque sorte, c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec vous, une sorte de caricature. Quoique les problèmes de notre société n'ont pas été supprimés, c'est aussi une question d'éducation de la population. Est-ce que tout ça est négligeable? Et tout ce que nous avons vu tout à l'heure est aussi un élément d'une sorte de nivellement vers le bas. Tandis que les possibilités sont énormes. Mais ça n'est pas une question seulement économique, c'est aussi une question d'éducation, c'est aussi une question d'engagement dans les mouvements de jeunesse, dans les mouvements d'étudiants, etc. Tout cela existait. Et j'avoue qu'il y a un mouvement vers, un nivellement vers le bas, mais ça n'est pas inhérent à la situation économique et sociale qui donne beaucoup plus d'autres possibilités qu'il y a 50 ans ou certainement il y a 100 ans. Mais encore une fois, je n'ai jamais nié que le prolétariat a arraché par sa lutte et uniquement par sa lutte des acquis sociaux. Il y a quand même quelque chose de terriblement impudent d'entendre un bourgeois venir, ou un premier ministre bourgeois, venir nous dire « le prolétariat a gagné ceci, cela ». On lui a arraché, à lui et à ses gouvernements. Je ne suis pas un bourgeois, M. Carette. Lui a arraché. Ben, pas du tout, je ne suis pas un bourgeois. L'autre chose, c'est qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, tout ouvrier et tout travailleur sait combien tous ses acquis sont en danger, parce qu'on lui les rogne depuis 30 ou 40 ans. Tous les acquis qui ont en effet transformé les conditions du monde du travail, à travers les luttes qui ont commencé au début du siècle, à travers les progrès enregistrés dans les années 50, 60 et au début des années 70, tout ça, aujourd'hui, est en danger. Précisément, M. Carette, à notre pays... Parce que notre système capitaliste est en crise et qu'il n'a aucune solution. Non, contrairement à ce que vous dites, précisément, dans notre pays, en Europe, il y a des négociations entre les industriels et les travailleurs. Comment il y a les syndicats qui font des négociations... Comment ça se fait que des enquêtes comme celle du professeur Elkargus montrent que beaucoup de gens ici pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir réel? Oui, mais ça, c'est toute la question. Il faut distinguer chaque élection, je le dis toujours, à sa surprise. On ne peut pas dire en Belgique que les élections ne donnent pas des résultats. Ils donnent des résultats. Mais il n'y a pas seulement les élections. Il y a la séparation des pouvoirs. Dans votre système, tout ça n'existe pas. C'est le politburo et le secrétaire général qui tout va dire. Chez nous, au moins chaque 4 ans, nous devons nous présenter. Et nous ne sommes pas des bourgeois. Hein. Nous sommes la plupart des hommes politiques, aussi dans les différents partis. Vous le mentionnez, on peut se demander si le communisme est une alternative valable. Et daar weet mijn volgende gast alles over. Hij is filosoof en zijn naam is Ludo Abicht. Bienvenue, monsieur Abicht. Bonjour. Vous avez été membre du Parti communiste, mais récemment, vous avez écrit un article « Que faire ?» où vous dites que le rêve d'une révolution prolétarienne est devenu un cauchemar. Comment cela s'est fait ? D'abord, j'étais membre pendant 17 ans, c'est vrai, et ce que j'ai écrit, c'est sur l'histoire du communisme au socialisme réel. J'ai vu que le rêve... du prolétariat, le rêve communiste, socialiste, à mon avis, dans les pays de l'Est, est devenu un cauchemar. Et je pourrais expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu que ni les fonctionnaires,
ni les ouvriers, ni les intellectuels croyaient dans ce système. C'était une sorte d'opérette, une opérette. J'ai vécu pendant plusieurs mois, presque une année, à Prague, par exemple, et j'ai vu que vraiment, malheureusement, comme j'y crois, j'ai vu que presque j'étais presque le seul socialiste à Prague à ce temps-là. C'était terrible. Alors voilà, je veux dire que tout le monde se nommait socialiste parce qu'ils étaient quand même des fonctionnaires socialistes ou communistes, mais dans la réalité, ils voulaient être, voulaient avoir. Et vous déduisiez ça de quoi, des remarques de l'atmosphère Mais non, simplement du fait qu'il n'y avait pas de liberté de presse, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas d'élection réelle, il n'y avait vraiment, et surtout, il n'y avait pas de connaissance ou intérêt à l'université, par exemple, dans les théories marxistes. C'était absolument tabou. Parce que c'était quelque chose qui était ordonné par le parti, qui ne donnait pas la liberté de discussion, il n'y avait pas de discussion. Monsieur Carrette, les gens en Europe de l'Est étaient bien heureux de voir tomber le régime communiste. Si on a commis des erreurs, cela veut dire que la marche de l'histoire n'est pas inévitable. D'abord, il faut être très précis et ne pas faire des amalgames grossiers. Hein. Ce n'est pas le communisme qui s'est effondré à l'Est, c'est le révisionnisme, c'est une espèce de caricature. Comprenez bien, moi je suis marxiste-léniniste. Expliquez ça, bon, alors, c'était pas du communisme. Absolument pas. Fondamentalement, le courant révolutionnaire, le courant communiste dont mes camarades et moi, notre organisation se revendique, c'est un courant qui a rompu avec l'Union soviétique et avec la dégénérescence révolutionnaire en Union soviétique, certainement à partir du début des années 60. Donc M. Habicht, qui se prétend communiste, a rejoint un parti avec lequel moi je n'ai rien à voir. Qu'est-ce qui est allé mal dans ce temps ? C'était dans ce moment-là, le processus, oui, c'est ça. Khrouchtchev, c'est la fin du processus révolutionnaire. C'est, pour nous, le processus révolutionnaire en URSS commence avec la révolution d'octobre et va, grosso modo, parce que l'histoire ne s'arrête pas un beau jour du calendrier, grosso modo, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Notons que la victoire sur le nazisme, c'est avant tout et prioritairement la victoire de l'Union soviétique et du socialisme, mais pas la victoire des démocraties. Les Américains, quand même, non ? Les Américains arrivent un peu tardivement en Europe, au moment où l'armée rouge est déjà à l'offensive depuis bien longtemps, et où la guerre a basculé. Qu'est-ce qui est allé mal avec Khrouchtchev ? Khrouchtchev rompt clairement avec la dictature du prolétariat, rompt clairement avec les principes fondamentaux du marxisme. On abandonne mais tous les principes fondamentaux du marxisme, toutes les bases essentielles avec lesquelles diriger un processus révolutionnaire. La Russie, aux années 40, 50, c'est quand même ce que nous appellerions une dictature, non ? Alors, une dictature du prolétariat, le problème n'est pas de savoir une dictature. Une dictature, sans, ça veut dire sans le liberté pouvoir, de presse, le pouvoir sans de liberté qui. De presse, mais sans liberté d'opinion. Sans liberté de mentir. Parce que c'est quoi la presse dans les pays capitalistes ? C'est le fait que des gros manias peuvent payer, peuvent s'acheter des journaux, des télévisions. L'indépendance des journalistes. Et l'indépendance des journalistes qui sont payés, ils sont très indépendants, mais ils sont quand même payés par les mêmes capitalistes. Mais je rêve. Je suis désolé, cette liberté, c'est la liberté de mentir. Est-ce que je peux parler ? Je rêve parce que quand on regarde la réalité sous Staline, pas seulement Staline, mais sous le régime, qui prétendait être socialiste, mais c'était la remède était pire que la maladie. Je suis tout à fait d'accord que le capitalisme doit disparaître et on pourra en parler. Mais ce qui est arrivé en Chine sous Staline surtout, c'était terrible parce qu'il prétendait être socialiste. À mon avis, non. Vous parlez de la dictature du prolétariat. Je connais mon Marx, comme vous connaissez notre Marx. Marx a parlé de la dictature du prolétariat pour une période très courte et décidée par le peuple, par le prolétariat. Puis, quand on regarde et lit Lénine et puis Staline, ça veut dire la dictature du secrétaire du parti sur le parti, sur la population. Alors, il n'y avait pas la liberté socialiste dont parlaient encore Marx et Engels. Alors, à mon avis, c'est vraiment pas ce que on peut appeler une liberté plus grande que la liberté bourgeoise. Je suis d'accord que la bourgeoisie et le système capitaliste doivent être changés, mais le changement qu'on a vu là-bas, à mon avis, même avant la mort de Staline... Était-ce un échec total pour vous, le communisme tel qu'il a existé? Comme j'ai dit, le système communiste s'est défait. J'ai fait la description. En outre, c'était avec Staline
et contrepoids Hitler, une action antidémocratique et anti-humaniste. Il a fait 30 millions de victimes. Et je crois, M. Carette, que donc cette, en fait, pas longue, mais dévastation, dévaste période du communisme pendant 70 ans, avec toutes ces victimes et tous ces dangers, que c'est la raison fondamentale pourquoi vous ne pouvez pas avoir l'enthousiasme et la participation pour un tel système. Pourtant, il y a encore des jeunes gens qui croient aux idéaux communistes. Op heel wat festivals kon je deze zomer de rode jeugd tegen het lijf lopen. Ze probeerden de muziekliefhebbers te overtuigen van de gevaren van het kapitalisme. Wij zagen hen in actie op Pukkelpop. Dat is Coca-Cola. Dat is de Coca-Cola. Poeh, en die dingen daar, Coca-Cola? Dat is gewoon reclame. Oh, dat is gewoon reclame, Riet. Ja, wij zijn dus hier met onze stand van COMAC, dus de jongerenbeweging van de Partij van de Arbeid. COMAC, dat is een afkorting van communist-activist. Zeg, maar dat moeten we even open doen, hè. Een paar jaar geleden met de antiglobalistenbetoging van de G8-top in Gent heb ik meegelopen in het blok van de jongerenbeweging. Heb ik een paar mensen van de jongerenbeweging leren kennen. En vorig jaar, hier op Pukkelpop, ben ik dan aan stand toegegaan en ben ik lid geworden van de jongerenbeweging. We hebben één groot wapen, dat is een bik. Ja, echt. Je moet je wapen. En kaartjes om gratis uit te delen. C'est une bonne place pour nous, pour se faire connaître, pour montrer que nous sommes très actifs et essayer d'informer un maximum de personnes sur nos actions, sur les méfaits aussi des capitalistes Bush, Blair. On veut lutter contre tous ces mouvements de guerre et criminels pour un minimum de personnes. Donc vraiment lutter contre ces superpuissances, c'est pas facile, mais dans le communisme, je trouve ça que c'est possible. Il y a beaucoup de pays où c'est le socialisme où il marche. Bon, il y a toujours les embargos qui subsistent, des crimes en fait, mais ils résistent vraiment, ils disent non au capitalisme et ça c'est important, pas reculer en arrière parce que alors c'est perdu. Communisme, où ligt je dat uit? Ik vind communisme ideaal om een land uit de crisis te halen. Ik zou het begot niet weten. Communisme, dat is met productiemiddelen niet in handen van de dienst. Meerwaarde van marxisme, dat baseert op het marxisme. Wij gaan een discussie met de jongeren rond het kapitalisme in de wereld, het imperialisme. En ja, gewoon de onderdrukking van de mensheid. En wij proberen de jongeren daar een beetje bewust van te maken dat er toch wel iets gigantisch mis is in de wereld. J'aimerais vraiment connaître la révolution, y participer en tout cas. Je sais que tout le travail que je fais maintenant, c'est participer à la révolution. Mais être dans l'action et voir ça, ce serait vraiment un rêve pour moi. Monsieur Carette, ces jeunes s'intéressent surtout aux problèmes du tiers-monde, la globalisation. L'antiglobalisme est-il le communisme de demain? Non, il ne faut pas tout mélanger. Il est exact qu'actuellement, aujourd'hui, dans une situation de très grande dépolitisation et de recul idéologique très fort, les contradictions génèrent des oppositions. On voit donc le mouvement anti-globalisme qui est apparu, globalisation qui est apparue, qui est un mouvement de révolte spontanée, naturelle, inévitable contre les crimes du capitalisme. Et la question, c'est que ce mouvement est très hétérogène, il recèle des tas de tendances. Il y a certainement aussi des tendances révolutionnaires. Ce qu'il faut, c'est que les communistes aujourd'hui
aujourd'hui apporte la théorie marxiste-léniniste au sein de ce mouvement afin d'en qualifier la meilleure partie pour l'amener à la lutte révolutionnaire, à la lutte pour la révolution des classes. C'est comme ça que vous le voyez aussi que... Pas du tout, hein, pas du tout. D'abord, je crains vraiment que le mouvement altermondialiste, interglobaliste, qui n'est pas antiglobaliste, qui est plutôt mondialiste, dans le vrai sens, est vraiment très important, mais je crains qu'il ne soit manipulé par ces gens-là, parce que les gens qu'on a vus là, dans le petit film, ils supportent des gens comme Pol Pot, comme Milosevic, comme tous les dictateurs terribles. Alors, les jeunes qui l'écoutent sont manipulés, ce sont des mensonges, et je suis sûr qu'ils sont honnêtes. Ce sont des honnêtes jeunes gens, des idéalistes, comme des témoins de Jéhovah et tout ça, c'est très bien. Mais ce qu'ils vendent, c'est du Pol Pot. J'espère vraiment que l'organisation qui viendra ne serait pas une organisation de nouveau d'un petit groupe qui manipule ce mouvement très spontané. Monsieur Martens, vous êtes président des démocrates chrétiens européens. Oui. Comment voulez-vous répondre à l'appel des antiglobalistes? Il y a un problème avec cette globalisation. Mais je suis d'accord quand vous avez dit qu'il y a un danger de récupération. Et donc, je crois que certains éléments sont inévitables et sont bons. Je veux dire, l'information sur le plan global est une bonne chose, je trouve. Mais ici se pose plus exactement la question pour l'Europe. Il existe un modèle européen qui est autre que ce qu'on fait aux États-Unis, au Japon et dans le monde anglo-saxon en général. Et nous risquons de perdre notre identité européenne si nous ne sommes pas capables de maintenir ce modèle européen avec la sécurité sociale, avec la participation, avec les négociations dans les entreprises, aussi pour les travailleurs, etc. Et donc, le danger existe que ce mouvement, qui a des raisons pour exister, soit récupéré, oui, avec des gens, des jeunes qui parlent des dictateurs qui ont fait les pires crimes du monde. Et donc, il faut éviter cette récupération, mais... Est-ce une fausse représentation de, quand on parle de Pol Pot mais ou la bourgeoisie a systématiquement peur de la vérité. Hein. Et donc, à partir du moment où on amènerait au sein du mouvement anti-globalisme une notion de réflexion fondamentale qui amène à comprendre les choses telles qu'elles sont, ça lui fait grand peur, évidemment. Ce qu'elle veut, justement, c'est que ce mouvement altermondialiste, ou quelque chose, je ne sais pas comment vous l'appelez, que ce mouvement reste dans la confusion, reste aux mains, quand même, de quelques petits gourous complices des impérialistes. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait une analyse juste, réelle, marxiste de la réalité, qui amène à dire, mais la seule solution ici, c'est la révolution. Point à la ligne. Si on veut s'occuper des problèmes du tiers-monde, faut comprendre que les crimes dans le tiers-monde, ils font partie d'un système global dans lequel nos économies sont inscrites. Si on crève de faim et si on crève la misère dans le tiers-monde, ça ne tombe pas du ciel, c'est le méfait de l'impérialisme. C'est le méfait conviction que vous avez, du mode de production capitaliste qui, ici, est le maître. Et donc, voilà un des anciens représentants. Oui. Cette conviction vous que vous êtes avez... un représentant d'un système soviétique non. qui ne s'est jamais intéressé pour le tiers-monde. Vraiment, pas intéressé. Et le soi-disant système bourgeois a fait beaucoup plus. L'Europe a fait beaucoup plus que l'Union soviétique et aussi que les États-Unis. La Belgique a une très grande histoire avec sa colonie qui s'appelait le Congo. Nous l'avons pillée, mais pillée, hein, pendant des décennies. D'accord. Nous avons assassiné son premier ministre le jour où il a prétendu sortir la Belgique et les capitalistes belges. Notre histoire coloniale n'est qu'une histoire de pillage et de brigandage. Voilà la vérité. Alors venir oser nous prétendre à une soi-disant légitimité des impérialistes qui ont détruit, qui ont amené la misère. Savez-vous que dans le monde actuellement, les 400 premières fortunes américaines ont puissance économique américaine, ont une fortune équivalente aux revenus de 40% de l'humanité entière. Et des gens osent encore... Mais monsieur Carette, je parle... C'est honte de venir vous parler d'une... Mais c'est une caricature, parce qu'ici, on ne parle pas de ça. C'est pas... Ah non, on ne parle pas de ça, mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais ce que vous dites, c'est si on n'est pas d'accord avec vous, on est bourgeois, on est impérialiste, on est je ne sais pas quoi, mais c'est idiot. On est dans une classe, on est dans l'autre, monsieur
indique, on sert les intérêts du prolétariat, alors, on sert les intérêts de la bourgeoisie, on sert les intérêts des exploités ou on sert les intérêts des exploiteurs. Mais c'est un peu Il n'y a pas de troisième petit no man's land. On dépasse ça. Parlons de notre... On est dans un camp ou on est dans un autre. Moi, je suis dans le camp de la révolution. Dans votre camp, tout seul, c'est assez facile de le dire. Parlons de notre responsabilité. Je ne crois pas. Je vais vous citer une petite anecdote. Je suis allé quelques jours après ma libération à la grande manifestation des sidérurgistes à Liège. J'étais sorti de prison depuis 5 ou 6 jours. J'ai été stupéfait. Des dizaines et des dizaines de témoignages de sympathie que j'ai reçus, qui m'ont été apportés par des gens que je n'avais jamais vus ni d'Ève ni d'Adam. Des gens qui, je suis même convaincu quelque part, n'avaient qu'une idée relativement vague de la ligne politique des cellules et des théories politiques présentées par les cellules. Mais ces gens ont conscience d'une chose, c'est que eux sont dans le camp des exploités, eux sont dans le camp des opprimés. Ils ont conscience d'une chose, c'est que les cellules étaient de leur camp et ont pris leurs responsabilités. Ça, c'est une chose que le prolétariat comprend. Ça, c'est une chose qui le touche et qui le dynamise quelque part. Monsieur Martens ? Parlons de notre responsabilité. Vous parlez des cellules communistes combattantes. Vous êtes combien ? Qu'est-ce que vous avez entrepris comme action positive ? Rien. Vous avez fait des choses terribles, avec des risques terribles. Ceux qui ont pris leurs responsabilités dans un syndicat, dans un parti politique, dans un gouvernement, ont essayé de sauver Cochrane Sambre, par exemple. Oui, vous pouvez rire maintenant, mais c'était il y a 20 ans aussi un défi pour nous, pour maintenir cette sidérurgie. Évidemment, la vie économique se développe, il y a des problèmes, et je comprends les travailleurs de Cochrane Sambre qui sont inquiets aujourd'hui, mais nous avons assuré pendant 20 ans que cette entreprise pouvait de nouveau reprendre ses activités. Ça, c'est la différence fondamentale entre votre option, qui en outre a utilisé la violence, et la nôtre. Nous voulons réaliser des réformes aussi à l'avantage des travailleurs et d'une société en liberté et en paix. Bon, les différences de vues sont bien claires. Une dernière question, Monsieur Carrette. Communication entre notre oppresseur de l'humanité et quelqu'un qui travaille à sa libération. Il n'y a aucune communication possible. C'est un combat. D'ailleurs, le combat où l'appareil d'État de Monsieur Martens, à l'époque où il était Premier ministre, a battu les cellules militairement. Sous la période où il était Premier ministre, nous avons été tenus dans des conditions de détention dénoncées par les grandes organisations internationales comme de la torture. Donc, tout ça, c'est la démocratie, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'humanisme. Non, c'est la responsabilité de la justice. C'est la responsabilité de la justice. Conteste ce que vous dites. C'est la responsabilité de la justice d'être la contre-révolution en marche et par n'importe quel moyen et sans aucun scrupule d'être prête à tous les crimes. Même une aussi petite organisation et une aussi minime initiative révolutionnaire que l'expérience des cellules a provoqué une répression comme on n'en a jamais vu dans le pays. Ça augure de quoi il faut s'attendre le jour où réellement des forces révolutionnaires importantes remettront une dernière question. Monsieur Carrette, j'ai une dernière question. Cause, la puissance de cette classe sociale. Monsieur Carrette, une dernière question. Vous avez passé les plus belles années de votre vie, comme on dit, en prison. Est-ce que ça a valu la peine ? J'ai passé les plus belles années de ma vie dans la lutte. Ça, c'est la première des choses. C'est ça qui les a rendues belles, les années de ma vie. Est-ce que ça valait la peine ? Mais est-ce que la libération de l'humanité vaut la peine, à votre avis ? Non ? Est-ce que sortir de cette préhistoire, cette barbarie qu'est l'impérialisme, ça n'en vaut pas la peine, selon vous ? Ah, mais selon moi, oui. Parce que c'est ça qui fait la dignité d'un être humain. C'est le fait qu'il n'est plus exploité par un patron. C'est le fait qu'il n'est plus opprimé. C'est le fait qu'il n'est plus le jouet de forces économiques aveugles, barbares, anarchiques. Voilà le fond du problème. Alors oui, bien sûr, se battre pour la cause de l'humanité, se battre pour l'avenir, ça, pour moi, c'est la dimension la plus grande que puisse revêtir un être humain. Merci, et merci d'être venu. Pierre Carrette. Nous n'avons pas de... Quoi ? D'engagement. Je pose la question parce que cette émission se termine par la profession de foi de M. Carrette, mais d'autres aussi ont un engagement politique. Pendant quelques mois, pas pendant 40 ans ou même plus. Aussi avec un objectif, avec un idéal. Ils ont aussi essayé de le réaliser. Ils ont servi les banques. Non, pas du tout, M. Carrette. C'est bien noté. Je vous remercie de nouveau, M. Carrette, Wilfried Martens, Ludo Abicht. Dit was Nachtwacht. Volgende week hebben we het over medische fouten.
Elke dag overlijden in dit land 4 mensen omdat hun dokter een fatale vergissing heeft begaan. En duizenden Vlamingen lopen rond met de beruchte ziekenhuisbacterie. Kunnen ziekenhuizen uw gezondheid schaden? U verneemt het zaterdag. Bedankt voor het kijken en tot dan.